c'est le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de The Divisions. Mais cette fois-ci, nous sommes tout seuls. Pour la simple raison que... je pouvais pas me retenir de filmer. Désolé Titi. Mais bon, comme là il est un peu tard, il est minuit, et il avait des choses à faire. J'ai donc décidé de continuer tout seul sans lui en parler. Oups. Mais c'est pas grave. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Donc, dans ces vidéos, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va faire toutes les missions qu'on trouve. Il n'y a pas vraiment de trame principale dans le jeu, actuellement. Donc, c'est surtout des quêtes annexes. Voilà. Alors avec cette arme là j'ai combien de DPS? 3334. Et avec celle là j'ai... Ok, je vois. Même si je préfère 1 million de fois le sniper. Donc on va rester en sniper. Donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Normalement elle devrait durer dans les alentours d'une heure comme d'habitude. À l'heure où je fais cette vidéo, normalement le premier épisode devrait être posté ce soir. Donc demain, à 17h. Donc voilà. Là ce que nous faisons, c'est que nous faisons de planque en planque. Car nous, quand on avait fini une planque la dernière fois, on nous a indiqué de nous rendre à la planque suivante. Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de... Donc à mon avis c'est une petite trame. Trame comme ça. Une petite trame différente de la principale. Donc j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Ce serait bête sinon. Tiens. Ok, il y avait quelqu'un. Ah, au-dessus. Viens jeter un œil. Tu cherches un truc? Je l'ai. Y'a vraiment rien qui te plaît? Non, y'a rien d'intéressant. Tu cherches un truc en particulier? Agent, je serai votre contact dans la zone si jamais la situation se complique. Allez, parlons un peu avec tout le monde. Agent, nous faisons face à une réalisation très... Agent, le docteur Kendall veut que vous sécurisiez la gare de triage de Hudson. La zone est devenue un camp de réfugiés, là où se retrouvent tous ceux qui ont été chassés de partout ailleurs. On a besoin d'échantillons sanguins prélevés sur des réfugiés, qu'ils soient malades, en bonne santé ou qu'ils aient survécu à la grippe du dollar. Le docteur Kendall en a besoin pour réaliser des tests. Okay. Sécurisez le site et nous on se chargera du reste. Donc nous on va aller se diriger là-bas pour la mission. Donc on va se téléporter et je pense qu'on va le faire en matchmaking. Hein. Comme ça en même temps on verra un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en tout cas j'espère que ce soi-disant let's play vous plaît. C'est pas vraiment un let's play avec une histoire prédéfinie. On va dire que le bilan de l'histoire, c'est... on sauve la ville en fait, on doit survivre et sauver la ville qui était la nôtre, puis qui a été prise par les vandales pendant la propagation du poison vert. Une variante de la variole. Non, de la grippe. Oui, c'est ça, de la grippe. Et donc voilà, là, on doit surtout s'occuper des trois types de missions, médicales, technologiques et sécurité. On va aller déjà faire la mission qui est là-bas. Vous êtes sur le point de quitter la zone de sûreté. Ah, c'est pas ça que je voulais aller, malheureusement. C'est là-bas. Agent, le docteur Kendall veut que vous sécurisiez la gare de triage de Hudson. La zone est devenue un camp de réfugiés, là où se retrouvent tous ceux qui ont été chassés de partout ailleurs. On a besoin d'échantillons sanguins prélevés sur des réfugiés, qu'ils soient malades, en bonne santé ou qu'ils aient survécu à la grippe du dollar.
Oui, on l'a déjà entendu. Ah oui. Donc c'est vrai que toutes les 2 heures, normalement les outils réapparaissent, etc. Donc, autant les prendre quand on passe à côté. Ça évite de dégrader des objets. Donc j'ai vu aussi au niveau de la qualité des objets, donc ça va du gris basique, vert, ensuite c'est bleu, ensuite c'est violet, ensuite c'est jaune. Comme pour la plupart des RPG. Je reprends confiance, merci. Pas de quoi. Vous allez bien? J'espère que vous ne Vous me faites m'entendrez pas peur trop là. respirer, que vous n'entendez pas trop mon clavier, ni ma souris, ni quoi que ce soit d'autre. Que vous m'entendez Non, pire. non, non, non. En tout cas, c'est vraiment beau, je trouve. Hein. Enfin, quand on regarde pas vers le haut, les bâtiments au loin, parce que bon, on voit bien que c'est des JPEG, hein. Je suis pas votre ennemi. Pas d'imprudence, ok? On le sait que t'es pas notre ennemi. On n'a jamais dit ça. Alors. Agent, ici le docteur Kendall. Vous devez à tout prix protéger la vie des civils que vous rencontrez. Si on regarde les statistiques, certains de ces réfugiés doivent avoir survécu à la grippe du dollar. Par conséquent, ils disposent d'anticorps dont j'ai impérativement besoin si je veux avoir une chance de combattre cette saloperie. En ce qui concerne les malades, le fait de disposer d'une plus grande variété génétique d'échantillons du virus nous aidera à évaluer le taux de mutation. Pour faire court, ces gens doivent rester en vie jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. C'est clair? Alors parfait. Il n'y a l'air d'avoir personne, malheureusement. Du coup, on va devoir le faire en facile tout seul. Bon, c'est vrai qu'il est un peu tard. Hein. Du coup, c'est pas grave. Agent, ici le docteur Kendall. Vous devez à tout prix protéger la vie des civils que vous rencontrez. Si on regarde les statistiques, certains de ces réfugiés doivent avoir survécu à la grippe du dollar. Par conséquent, ils disposent d'anticorps dont j'ai impérativement besoin si je veux avoir une chance de combattre cette saloperie. En ce qui concerne les malades, le fait de disposer d'une plus grande variété génétique d'échantillons du virus nous aidera à évaluer le taux de mutation. Pour faire court, ces gens doivent rester en vie jusqu'à ce que j'obtienne ce jeu. Oh, c'est dégueu, putain! Alors parfait. Ah, je crois que je vais gerber. Mais les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Ah oui. Oh, c'est du bon boost de dégâts, hein. Ça fait mal par contre. Tu balances rien du tout, ouais. Au niveau dégâts, je suis bien là. Pas mal. Bon, c'est une mission niveau 7, hein, il faut pas. Non, là par contre je crois que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Celle de mettre à côté vers l'explosif. Ah, il y a quelque chose à l'intérieur. Hein. Toi, s'il te plaît. Agent, il y a du nouveau. Faye me dit que les nettoyeurs retiennent toute la population du camp en otage. Ça a l'air d'être le cas, oui. Et ça correspond à leur façon de faire. Dites-moi, docteur, si vous vouliez éradiquer toute trace d'un virus, vous iriez où? Là où se trouvent les foyers de concentration, les camps de réfugiés, les bidonvilles. Oh, Seigneur. Vous voulez pas dire que... Une solution draconienne, oui. Mais efficace. Ouais, si vous êtes une meute de cinglés portée sur le génocide. Vous vous demandez jamais si on mérite de survivre à ce truc, finalement. Tous les jours, docteur. Tous les jours. Bonne chance, agent.
peu en feu. Mais ça va. Crame pas trop. Voilà. Donc je crois avoir un peu découvert le pattern qui nous permettrait de faire un peu toutes les missions dans un certain ordre. Je pense que vous l'avez découvert également. Élévation du niveau de contamination. Vous avez entendu ça ? Vous êtes en plein faire les missions secondaires puis faire les missions principales qui sont dans la zone à côté. J'imagine que vous allez tout faire pour les maintenir en vie. Mais j'ai besoin de ces échantillons de virus et il me faut impérativement des échantillons d'anticorps viables provenant de survivants. Il faut que ce soit plus que juste en vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je m'en remets au travail. Kendall terminé. Ok. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose ici, hein. Même si je vais quand même regarder. Y aura-t-il quelque chose par là-bas ? Peut-être après. Non, je croyais que c'était quelque chose, mais non. Ce n'était rien par un coin. Pas loin. Tiens, si on marche dans le feu, ça brûle. C'est nouveau. Courez pas de ce côté là. Ah, une caisse. Alerte, composé chimique potentiellement inflammable détecté. Vérification recommandée. Confirmé. Beaucoup d'objets dans le coin. Il s'agit bien de Napalm Bay. Vu la quantité, je pense qu'ils comptent mettre le feu à toute la gare. Et quand ils vont le faire, ils vont tuer jusqu'au dernier réfugié qui a le malheur de s'y trouver. Il faut absolument mettre ce réservoir en lieu sûr. Là, ça va mieux. Bonne chance, Lee. Le couple. Ils font quoi d'après toi ? Franchement. Vous pouvez survivre. Oh, un technicien. Ça doit être les supports hein, qui doivent soigner. On avance petit à petit. Ah, la sensibilité me dérange. Moi j'ai quelques petits lags parce que je suis en 50 FPS, mais sinon ça va.
Vous ne devez pas voir, normalement vous êtes en 30 fps. Malheureusement, je n'ai pas un PC assez puissant pour pouvoir prendre en compte le 60 fps en vidéo et le faire en 60 fps aussi. Du coup, enfin, pour ma partie, mais voilà quoi. Puis ça demanderait une trop grande connexion. Ok, ça ramasse, rien d'intéressant. Désolé, je vais remettre juste un petit peu en place. La balle qui n'a pas de délai, ok, vivement, c'est très réaliste tout ça, hein. Lol. Quel réalisme! Pour le moment, j'ai un build viable, on va dire. Moi, je parle beaucoup en termes MMO, hein, désolé. JTF prête à passer à l'action. Ils se chargeront de récupérer des échantillons sur un maximum de réfugiés. Il y aura du personnel médical? Oui, docteur. Il y aura deux ambulanciers. Deux? Seulement deux? Vous inquiétez pas, le reste de l'équipe est formé aux premiers soins. Ils savent comment trouver une veine. Sans contaminer les échantillons, j'imagine. Oh, allez, elle est chiante cette femme. D'accord, je vous fais confiance. Merci, docteur. Montre ta tête, ça. Agent, à vous de jouer. Allez. Petite ici, tête, le docteur Kendall, équipe d'échantillonnage, vous me recevez? Battez à l'appareil, je vous écoute, docteur. Ah, lieutenant, parfait. Écoutez, j'ai besoin que vous notiez les informations de chaque personne sur laquelle vous prélevez un échantillon. Groupe ethnique, état de santé général sur une échelle de 1 à 10. Et ensuite, vous étiquetez et vous organisez les échantillons en fonction de chaque... Excusez-moi, docteur. Ça pourrait peut-être attendre que la mission soit entièrement accomplie. Vous voulez dire que vous ne faites pas confiance à votre agent? Je donne simplement la priorité à ce qui est prioritaire. Lieutenant, veuillez contacter le docteur une fois la zone sécurisée. Compris. Ne vous inquiétez pas, docteur. On s'occupe de tout. J'espère bien. Après tout, c'est juste la survie de l'espèce humaine qui est en jeu. Ça va, elle est pas trop pessimiste, elle, hein? Bien su, docteur. Terminé. En train de gonfler tout le monde. Se cacher, c'est has-been. Faut qu'on y aille tous. Vous savez ce qui est en jeu. Montrez-vous. Non. Vraiment simple, hein, en normal. Je suis sûr j'aurais pu me le faire en difficile sans trop de problèmes tout seul. Désolé si vous entendez mon PC tourner, c'est parce qu'il tourne un petit peu fort là, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Hein. Petit bruit d'ambiance. non, pas par là. Tiens, tiens, tiens. L'où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il sera à l'extérieur de la zone? Ou alors tout au-dessus? Non. À moins qu'il soit... Non, non, il est à l'extérieur.
agent, si vous trouvez les commandes de la grue, mettez le réservoir en sécurité. Ok, on descendra par là de toute façon. Ça quoi? Y a pas de marque? Oh, ils ont pas fait de pub de plan, pas de pub cachée. Oh, moi qui aurais cru. C'est vrai que ça s'appelle mettre en sécurité des explosifs. Ça devrait faire l'affaire, agent. Excellent travail. Ouais, bravo. Et maintenant, écoutez bien, équipe d'échantillonnage. Je vais avoir besoin de ces échantillons étiquetés et organisés de manière à pouvoir étudier certains facteurs corroborants. On va passer sur un autre canal. Je veux pas ennuyer notre agent. J'ai pas vu ce qui était marqué. Et tous ces déplacements forcés, cette Dark Zone, pourquoi faites-vous ça? Nous avons déjà tenu une conférence de presse à ce sujet. Toutes les informations pertinentes sont disponibles. Le reste est confidentiel et je ne peux faire aucun commentaire. Donc, vous maintenez que tout ceci est un genre de procédure de décontamination? Il s'agit d'une situation délicate qui demande à être gérée avec pragmatisme. Vous vous arrêtez sur un point de détail, alors que plusieurs millions de vies sont en jeu. Agent, les données comparatives que vous avez obtenues au camp de réfugiés nous ont apporté de nouveaux éléments de réflexion. Il y a un autre rapport qui vous attend dans la base de données. Ok, donc on va équiper cet AK. Et on va équiper des viseurs, etc. Chargeur aussi. Voilà. Regardons un peu ce qu'il y a ici aussi sur cette arme. Si on peut pas mettre quelque chose qui ferait augmenter notre DPS. Si, si, on... Ah ouais, non, je sais pas. Allez, on va faire ça. Dans celui-là, on va mettre un autre, notre silencieux. On va mettre celui-ci. Voilà. Comme ça, j'ai 4280 avec, avec cette arme-là. Lequel a un niveau très inférieur? Ça doit être un équipement ici. Ah ouais, c'est celui-là, c'est l'équipement niveau 4, mais bon, de meilleures stats. Hein. Qu'est-ce qu'il veut que je dise? Alors, niveau des missions. Comment on a fait la mission qui était là-bas? On va se téléporter ici. Puis on va faire un peu toutes les zones que vous voyez dans le carré là. Et on finira par la mission verte. Je ne sais pas si on pourra tout faire dans une seule vidéo, donc on verra bien. Je me permets de prendre une goutte de coca. Voilà, encore une. Voilà, c'est très convivial ici. Hein. Eh, hey, ça file tes le chargement en même temps. Ah. Alors, dans quel sens on va pouvoir faire le tour? D'accord. Agent, les nettoyeurs menacent un groupe de civils. Vous devez intervenir. Pendant ce temps, je vais faire des visualisations créatives pour vous soutenir à distance. Beaucoup tentent leur chance dans la Dark Zone.
mais peu en sortent vivants. C'est une mission découvrir la Dark Zone, sérieusement. Merde, on dirait qu'il y a quelqu'un. Tu crois? Si un mur a été dressé. 110 PS seulement, ouais. On le fera ça plus tard. Agent, les nettoyeurs menacent un groupe de civils. Vous devez intervenir. Pendant ce temps, je vais faire des visualisations créatives pour vous soutenir à distance. Non, ça a pas l'air d'être le bon chemin. Ouais, on va commencer par là. De toute façon, ça change rien. On va devoir quand même faire tout le tour de la zone. What? Qu'est-ce qu'il y a ici? Je veux voir. Ok. Ça remet le métro. Bon, pour le moment, ça va, on s'en sort très très bien. Hein. Aucun problème. Allez, dans deux niveaux, je vais pouvoir équiper mon arme, mon nouveau sniper que j'ai crafté. Là, je touche même pas au clavier, hein. Ça monte tout seul. Avec la touche X. Alerte. Communication radio GTF interceptée. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. Ils nous ont repérés. Si quelqu'un de la GTF entend ce message, répondez. Localisation du signal. Analyse complète. What? Il est où? Attention, force hostile en approche. Oh, oula, oula, je me casse. Attention à toi. Cours. Disparu par là-bas. Données analysées, téléchargement. Le personnel médical n'a pas de quoi faire son travail. Il reste pratiquement plus de fournitures. De... Du coup, j'ai un plan B. Je connais un infirmier assez doué pour. Enfin, je connaissais un infirmier assez doué pour trouver des médicaments puissants. Hein? Et quand je dis trouver, je veux dire. Enfin bref, peu importe. En temps normal, je chercherai pas à reprendre contact avec lui, mais on a vraiment besoin de ces médicaments. Ce serait la quatrième, mais non. Vous devriez commencer par son appartement. Je ne comprends plus rien. Attention, force hostile en approche. Ah, ici, oui. Oh, c'est vrai que j'ai oublié de changer d'apparence. 4 sur 20. Un peu la zone, hein. Ok, il est par là-bas. Tu veux. Ok, ok.
On se retrouve à l'endroit habituel sur la 39e ouest. J'ai un peu fait n'importe quoi, il faut peut-être que j'aille l'aider. Bah, je sais pas. Je prends mon temps. Oh. Foiré, oui, je sais, c'est ma faute, mais bon, pas grave, il suffira que je revienne, je pense, plus tard. L'entrée de la Dark Zone découverte. Pourquoi pas? Pourquoi tu parles cette langue? Pas compris. Ici Sparrow 2, on s'approche de votre position. Attention, nettoyeur! Il est là, lui. Qui les a laissés sortir de tôle? T'es du mauvais côté de la barrière. Pour ça, je dis ça, j'ai rien. Faites fuir les pillards. Mais d'où ils sortent, ces nettoyeurs? Bien une petite idée, mais elle va pas te plaire. La vache. On n'aurait jamais réussi son coup. Attention, force hostile en approche. Attention, nettoyeur. Je les tiens groupés. Faites fuir les pillards. Ils sont en train de dévaster la ville. Encore une minute à tenir. Ah là là, mon PC commence à faire beaucoup de bruit, hein. Ils ont pas de stratégie. Allez, on va les battre. Oh là, j'ai dû souffler à donf. Attention, force hostile en approche. Pose pas ta tourelle. Entre-toi. Ah, il doit être au fusil à pompe, sûrement. La plupart des ingénieurs sont comme ça au fusil à pompe. Merci de votre aide. 25 secondes. La vache. Et d'où ils sortent ces nettoyeurs? Merci de votre aide. Fuir les pillards. Les Rikers sont nous après la JTF. Attention, force hostile en approche. Ici Sparrow 2, on est arrivé et en position. Et voilà. Ennemi neutralisé. Calme-toi. Il paraît que les nettoyeurs se servent d'un ancien chantier comme QG. Il devient fou. Il y a quelque chose qui va pas. C'était chaud. Les panneaux lumineux arrêtent pas de clignoter. Les néons aussi. Merde, on dirait qu'il y a quelqu'un. Ah.
J'espère juste que j'ai pas perdu la mission, ce serait con. Attendez, une petite hélice parce que là ils tombent vraiment beaucoup vite, je sais pas pourquoi. Mais heureux aussi, désolé, il y a Nvidia qui a bien fléché sa mère. Voilà, c'est fait, on a fini. Merci, agent. L'échantillon de souche que vous avez ramené nous a appris beaucoup de choses. J'ai préparé un rapport pour le DCE. Jetez-y un œil. Oh, flûte, je me suis fait TP. Putain, ce PC, quoi. Oh là là. Oh là 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 là. On va reprendre cette vidéo, on va le redémarrer. Donc oui, là, on a fait une bonne 1h30 de vidéo, encore une fois. Oh non, j'en ai marre. Ouais, il est tout petit, l'icône. On a localisé le QG des nettoyeurs. Ils utilisent un chantier comme base d'opération et comme dépôt de ravitaillement. La meilleure marchandise, c'est Paris. Ce que vous avez accompli est transcendant. Vous avez vraiment réalisé votre potentiel. Et le plus fou, c'est que vous n'avez sans doute pas conscience à quel point vous avez accédé tout ce que j'ai. À la conscience. Namasté. Oh mais c'est un hindou, c'est pour ça. Donc c'est où cet endroit? Ah c'est ici, d'accord. Non? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, d'accord. Donc on ira là-bas la prochaine vidéo et on fera cette mission bleue. Mais avant, je veux retrouver celui-là, voilà. Déplacement rapide. On s'y déplace rapide, on prend le dossier, on va dans la base principale. On valide les améliorations pour les... Comment on appelle ça? Les améliorations pour les... Pour les ailes, voilà. Beaucoup tentent leur chance dans la Dark Zone, mais peu en sortent vivants. Bla bla bla. On en parlera quand j'irai. Donc en tout cas j'espère déjà que cette vidéo vous aura plu, hein. Parce que moi ça me fait plaisir de vous faire des vidéos comme ça, même si j'ai pas vraiment beaucoup d'audience, hein. On va pas se mentir. Mais ça ne me dérange absolument pas, tant que ce que je fais fait plaisir à l'audience que j'ai déjà. Voilà, rapport d'incident ici. Et du côté des Nations Unies, il doit y avoir plein de gens blindés de thunes là-bas, genre politiciens, tout ça. On va se faire plaisir. Mais attends, t'es fou? C'est pire que les champs de la mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, on s'y téléporte. On s'y téléporte. On s'y téléporte, c'est comme ça. Ouais, donc dans la prochaine vidéo, nous ferons le prochain carré. Comme ça, en même temps, vous voyez un peu tout le jeu. Là c'est vraiment du 100%. Enfin, 100%. À part les objectifs bonus. Ouais, sur un jeu que je vous fais des quêtes annexes, hein, quand même. Et là, on a pas vraiment cher parce que sinon, à part vraiment beaucoup de contenu. Hein. Puis, je suis assez rapide. Une heure par carré, ça va vite. Une heure par niveau, ça peut aller. Il y a 30 niveaux, 30 heures. Puis après, il y a encore 30 autres niveaux dans la Dark Zone, mais la Dark Zone est vraiment très petite. C'est ça qui est chiant. Là, ce qui paraît, ça monte très vite. Enfin, on verra bien. Verra bien. Les types qui traînent là-bas, ils sont entraînés comme les gars des forces spéciales. Ils ont un putain de matos. Des vrais pros, hein. Rien à voir avec ces brels de la GTA. 1040 et 2240. Je crois pas qu'ils vont te laisser une chance, hein. Ces gars-là, ils descendent direct et ils te posent leurs questions après. Alors tu vois, moi, j'y vais pas. No way. Je loupe quelque chose, là. Alors, j'ai un catalogue de bâtards, rien. Regarde ça. Ah, je quelque chose te fait envie? Rien d'intéressant. Je vais faire une vente, moi. Tout est à vendre ici. Non plus. Reviens quand tu voudras dépenser un peu.
Parlons à Jessica Candle en même temps. Ah, bonjour. Attendez un petit instant. Oui, j'écoute. Désolé, docteur Candle, mais l'échantillon ne donne pas les bons résultats. Vous avez fait le test à température ambiante ? Vous aviez dit que... J'avais dit à température ambiante, vous comprenez ? Oui, oui, j'ai juste fait un écart de température. Bon, vous savez quoi ? Je vais le faire moi-même. Alors, arrêtez tout, on va simplement faire comme si rien ne s'était passé. J'arrive pas à croire qu'on manque de personnel qualifié en plein milieu d'une épidémie. Bref, le point positif, c'est qu'on a commencé à étudier ce que vous avez rapporté. Depuis que le docteur Ellis a repris la gestion de l'aile médicale, je peux enfin me concentrer sur mes recherches. Ma femme dit toujours que je m'entends mieux avec les virus qu'avec les humains. Ou plutôt mon ex-femme. Ouais. Désolée, je m'égare. Continuez à faire ce que vous faites. On est à mi-chemin d'avoir trouvé un vaccin, et si on peut compter sur votre aide, on va y arriver. Link numéro 2, qui ne parle jamais. Il fait tout le temps la gueule. Bon, Link fait pas tout le temps la gueule, parfois il est surpris. Quelle quête de survie. Donc on va prendre la mention qui coûte le plus cher. Les deux désastres. Tout le reste, 800, 1200, 1400, 1600. Ok, 1800. On a fait de gros progrès là. Ce poste d'aide humanitaire va nous permettre de distribuer du ravitaillement aux civils qui en ont le plus besoin. Bon boulot. Merci. Eh, viens jeter un œil ou je vais tout vendre. Eh, mate-moi ça. Mate-moi ça. Non, pas envie. Le meilleur deal de toute la ville. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai pas le fric, désolé. Je suis là si tu changes d'avis. Oh oui, je sais que tu es là, t'inquiète pas. Oui, je parle tout seul, je sais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à acheter ou je garde, hein, voyons voir. Non, je garde. Je vais faire 500 000 à chaque fois, comme ça sera bien. Alors, dans mes améliorations. Est-ce que j'ai débloqué quelque chose quelque part ? Ah, compétence maître. Ça c'est très très bien. C'est une compétence supplémentaire, oui. Quatre nouveaux objets dans l'inventaire. Un mode d'équipement? Non. Dites pas que c'est pas vrai. J'ai pas encore d'objets qui peuvent porter. J'ai rien besoin de recalibrer, je crois. Si ça, on va le recalibrer. Ça on booste un peu notre équipement. Premier 536. Donc niveau armure. Combien d'armure avons-nous? On n'en a pas tant que ça. Mais c'est déjà pas mal. Ok, eh bien nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, ce que nous ferons, comme j'ai dit, nous ferons ce carré ici.
le carré de la planque de Tenderloin. Donc je m'y déplacerai tout seul, je prendrai les quêtes et on recommencera directement là-bas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheStyle, prochain Human HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.